Bonjour, ça y est, le 30 avril 2022 signe les 10 ans de cette chaîne YouTube. Bon, alors dans les faits, ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos, mais je digresse. Grèce ? Alors bon, tout d'abord désolé. J'avais prévu d'essayer de faire une compile de ces 10 ans, mais j'ai pas eu le temps et d'idées me faisant sauter le pas. Donc je prépare des montages, notamment des AMV, mais ça arrivera quand ça arrivera. Parce que bon, ça fait environ un an, globalement entre les let's play Kingdom Hearts Melody of Memory et une irréplicante, que le rythme des vidéos a drastiquement diminué. Alors je vais pas rentrer dans les détails à ce sujet, mais j'avais besoin de faire le point sur moi-même et... voilà, on va dire ça comme ça. Donc disons que je pouvais pas ou me voyais pas m'exprimer ou agir en tant que Blue alors que j'avais besoin de me retrouver moi-même. Parce que bon, il faut bien le dire, en 10 ans, j'ai quand même changé ma vision des choses, notamment en ce qui concerne la chaîne, vu qu'à la base, bon, c'était pas mal, une façon pour moi de retrouver un peu de confiance en moi et une... la confiance de m'exprimer et de parler de certains sujets, surtout qui m'intéressent, bon, en l'occurrence beaucoup de jeux, puis après de manga. Et s'il y a une longue période où c'était plus vraiment le cas, avant le changement de pseudo d'ailleurs, ça m'aura permis d'un peu plus réaliser que j'avais un peu déposé ce besoin de confiance pour le remplacer entre guillemets par autre chose dans ma vision de ce qu'était cette chaîne. Et c'est là où on commence à voir qu'au-delà de ce besoin, on va dire, que j'avais côté perso de me retrouver, il y a aussi le début du changement de format sur la chaîne qui pointait aussi sur un peu ce questionnement de ouais, quelle est cette fameuse autre chose? Qu'est-ce que je veux faire avec cette chaîne, avec Blue? Alors bon, la réponse peut sembler un peu bateau, mais on va détailler un petit peu après. Tout simplement partager des choses que j'aime en faisant passer de bons moments. Bon, alors c'est déjà ce que je faisais plus ou moins avec certains let's play et reviews, mais cette façon de penser me permet de pas m'arrêter à ça. Par exemple, j'aime beaucoup l'écriture et les scénarios. Voilà pourquoi je compte faire des analyses et des explications de l'histoire de différents jeux, par exemple. Donc, les let's play vont reprendre, mais je compte encore remanier la chose pour donner deux versions de ceci au final. Un format classique où je mets tout ce qui est lore, histoire, cheminement de pensée, en essayant du coup d'axer justement les vidéos sur la narration, et un où on va être plus dans le format best-of pour un résumé plus rapide des choses. Et en plus de ça, du coup, un petit bilan slash analyse de l'histoire du jeu. Niveau review, c'est pareil, je compte essayer d'aller dans quelque chose d'un peu plus thématique au niveau des sujets, dans ma façon de les aborder. En plus de ça, je fais souvent des jeux avec Armit et les autres copains du Discord. Allez, follow, il sera content. Donc il y a aussi d'autres vidéos type Among Us qui arrivent. Au final, beaucoup de choses, bon, comme d'hab, hein. Mais je vais vraiment faire les choses à l'envie, donc il y aura des vidéos qui prendront plus de temps que d'autres, il y aura des vidéos qui arriveront peut-être tout de suite, qui parleront de sujets d'actualité. Voilà. Je vais vraiment plus me dire, bon, si j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire, et je vais plus me fixer sur, ah oui, mais ça, il faudrait que ça soit dans tant de temps par rapport à un autre épisode de Let's Play, etc. J'essaie de suivre une certaine rigueur, mais je vais pas me limiter non plus à ça. Et je vais pas me dire, ah, je parle de rien d'autre, tant que j'ai pas fini. Donc voilà, la chaîne va continuer d'avancer. Tata Kae, merci à tous, vraiment du fond du cœur. Prenez soin de vous.